Peggy Chauve. Ouais, parce que ça peut faire peur aux chauves, quoi. Salut tout le monde, c'est ProX Legend, comment allez-vous? Moi j'ai la patate, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, un concept que j'avais jamais vraiment abordé, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que c'est énorme. Et j'en connais un qui va bien rager, mais j'en connais beaucoup qui vont bien rigoler surtout. Alors, vous connaissez très certainement la vidéo Comment faire rager un Français sur Call of Duty. Alors c'est vraiment une superbe vidéo, mais moi je l'ai un peu remixé. Enfin, c'est pas du tout la même façon de faire rager, là c'est faire rager un pote quoi. Une personne que vous côtoyez tous les jours, qui m'a bien fait chier d'ailleurs, qui m'a bien emmerdé pendant quelques jours, et je l'ai attendu au tournant, et j'ai su la voir, et dans cette vidéo, bah, je vais bien vous montrer ce que je lui ai fait, c'est vraiment méchant ce que je lui ai fait, mais c'est tellement rigolo. Alors, comment faire rager un Français habituellement? En 1-1, vous me direz-vous? Eh ben moi non, je le déranque carrément, voilà. Quand vous êtes par exemple à un certain niveau, vous êtes quand même prestige 5 et vous passez la seconde d'après ou les 10 secondes d'après niveau 1, je peux vous jurer que vous avez légèrement la haine et légèrement les boules. Et ben c'est ce qui s'est passé dans cette vidéo. Alors comment j'ai fait ça? On va dire j'ai un ami qui a des amis, qui a des amis, qui a des amis, qui font des trucs un peu illégaux sur Call of Duty. Je ne citerai pas de nom, voilà. Et je peux vous assurer que c'est pas des rigolos. Donc j'ai eu, on va dire, deux infections par l'intermédiaire d'un ami que je remercie. Et on rigole bien d'ailleurs grâce à ces infections. Mais je les ferai pas partager, désolé, parce que bah, vous me comprenez quoi. Voilà. Alors, je vous retrouve dans quelques instants pour vous dire les étapes, tout simplement. Allez, à tout de suite. Alors, avant de commencer les étapes, je voulais vous montrer déjà le coffre en ligne de mon ami et mon coffre en ligne pour voir un peu la différence. Alors, on se retrouve donc sur le coffre en ligne de mon ami. Alors, vous voyez la vidéo 8, c'est marqué, donc il faut pas regarder, sinon on est dérank. Et vous regardez en dessous de description, c'est marqué dérank reset all. Donc, vous avez très très bien compris, je pense, hein. Donc voilà, j'ai tout simplement déplacé la vidéo dans mon coffre en ligne et je l'ai renommée. Voilà, regarde en entier, oh my god, Dom avec un petit smiley. Donc en fait, pour que mon coup réussisse, il faudrait que mon pote Alexandre regarde la vidéo entièrement, que je l'invite, que je lance en ligne, et à ce moment-là, il serait dérank. Voilà, à tout de suite pour les étapes. Alors, l'étape numéro 1, c'est tout simplement qu'il faut prévenir son pote. Donc il faut l'appeler ou lui envoyer un petit SMS afin qu'il puisse bah, tomber dans le coup, quoi. Ensuite, il faut tout simplement l'inviter au groupe d'amis. Bah oui, sinon on peut pas lui expliquer ce qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'il doit regarder la vidéo entièrement et ensuite je devrais le réinviter et faire la dernière manipulation, c'est-à-dire lancer en ligne. Mais avant toute chose, il faut inviter son ami dans un groupe afin que vous voyez bien qu'il est prestige 5, niveau 20 et quelques. Été. Alors l'étape numéro 2, c'est essayer de faire partager ce magnifique cadeau à un autre ami, en l'occurrence mon ami ProXZombie, mais malheureusement bah, mon coup n'a pas marché car mon pote Kevin, d'ailleurs salut Christine, me connaît très bien donc ça n'a pas marché avec lui. Non. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Il niveau A, c'est quoi le bordel là? Alors pour la troisième et dernière étape de ce petit tuto de merde, il faut inviter donc son ami ou la victime du jour, c'est-à-dire Alexandre, dans un groupe afin de lancer en ligne pour qu'il soit dérank. Et oui, sinon il sera pas dérank quoi. Donc, je vais vous mettre dès à présent une petite barre qu'on appellera la barre de la haine de Alexandre. On appellera la barre de la haine quoi sur l'écran. Et elle se remplira petit à petit dans le petit passage que vous allez voir, enfin petit, là, assez grand. Où on est en train de discuter entre nous, on est en train de rigoler. Donc c'est avant qu'il se rende compte qu'il soit dérank et après. Donc je vous laisse apprécier ça. Allez, à tout de suite. Voilà quoi, vas-y. Ah, je sens qu'il y a une couille parce que Pitchoun au 80, je crois, et là niveau A. Pitchoun s'est fait dérank à deux. Et comment il s'est fait dérank? Ah, et s'il se me bite, bâtard. Alexandre, t'es là? Quel bâtard les gens de Ouais, là. c'est bon, y'a un couillage genre dans l'air là, nique ta mère, et c'est bon, on va te faire foutre. Tu crois que je suis con, ouais? Non mais, on est vraiment des bilouts, putain. Ta gueule, boulie, toi, t'es que des bilouts, toi, avec des petites bilouts, là, ta gueule. T'en fous, nous, on nous là. Bah, c'est bien, c'est tout. Moi, je vois pas. Eh, boulie, au fait, je suis où t'habites, hein? N'oublie pas. Je vais brûler ta maison si je suis niveau A, fils de pute. Je brûle ta maison avec ta mère, Voilà. fils de pute.
Alexandria là, Alexandria va vite fil. T'as dit quoi quand même? Viens voir. Queen, tu veux que. J'ai pas envie de rejoindre mon deux bâtards, je crois que c'est un truc de balade. Mais non, je sais pas, le mec il niveau 1 là. Parce que l'autre, les gens, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure, fait. Alex, t'es prestige combien? Ouais, limite, ouais, ouais, le gars. Fou, t'es prestige combien? Moi, en fait, je vais regarder. Attends, regarde, attends, je vais regarder sa vidéo là. Merde. Ta gueule, Bouli, ta gueule. Du coup, que je vais pas le faire, t'inquiète pas, un bout là. Je vais pas le faire, ouais. Non, je vais pas le faire. Ah, c'est pas un fou, t'as un fou, Bouboule. Attends, je vais regarder vite fait la vidéo. Ouais, la vidéo, et puis ça va faire, et puis moi je vais le niveau 1. Le mec, quoi. Bon, Alexandre, tu rejoins, vas-y là. Ouais, voilà, puis on verra si t'as un wallhack ou je sais pas quoi. Là. Coffre ligne d'un ami, protège. C'est bien. Ah, mais tu vois, j'ai pas confiance, tu vois. Ouais, mais il a mal fait, peut-être, je sais pas. Ouais. La partie j'adore. Privée, là tu vas être niveau 1. T'as à comprendre. Hop, voilà, niveau 1. Je m'en doutais de toute façon, j'étais obligé une couille dans l'air, mais il se trouve que je suis con. Alexandre, pleure pas. Oh, ça fait mal. Ah. Oh, que ta mère va rester en violée par un homme qui se putain. Je suis en douté de toute façon, tu vois, je m'en suis pas gros bâtard, j'ai pas du rejoint de 6 de pute là, oh, que ta rage. Va violer ta mère et bâtard. Pas le gros fils de pute. Je l'avais haine là, de quoi vous faire maintenant, le gars, fils de bâtard. Un bâtard rigole bien, il rigole bien. Je suis con, les gens, mais t'es que je suis malade, quoi. Eh, viens, Bouli. Quoi? Ta mère va crever, fils de pute. Attends, toi. C'est lui qui m'envoie un message, hein, Bouli gros. Viens, j'ai trouvé un truc trop bien sur mon téléphone. Ouais, ça déchire, ça déchire ta mère. Les gens, vous avez volé ta mère, ce bâtard. Je viens, mais y'a que Kevin qui l'a remarqué, quoi. Ah oui, mais il croit que je l'ai. Moi, je sais pas, il était que niveau pitchoun. Et t'es niveau 80? Pas tard, les gens. T'es fou. Balade. Tu étais con, il l'a fait, puis voilà. Quoi. Allez, joue là, joue. Attends, j'arrive là. Bon, Alexandre, on joue, c'est. Voilà quoi. Non, la vidéo n'est pas tout à fait terminée. Car la barre de chargement d'Alexandre n'est pas remplie, à la barre, voilà. Mais si vous avez été bien attentif, vous aurez pu remarquer que ProX Legion a dit qu'il allait regarder la vidéo, qu'il l'avait regardée. Alors moi au début je pensais que c'était pas vrai, mais il l'a vraiment fait ce con. Du coup je me suis dit on va lui faire le même cadeau tout simplement. Oh t'as mis les vieilles. Eh les gens, comment ça se fait? J'ai voulu vraiment me faire des rancs en fait. J'ai regardé en entier l'écran et c'était figé à la fin. Non. Oh, regarde. Oh, j'ai la haine, fils de pute. C'est ta mère. Ah ouais, mais t'es un gros fils de pute, enculé là. Oh, mais ta mère, vraiment, je vais mettre un truc. Enfin, je vais mettre un truc. Oh, putain, légende. Putain. Putain, ta mère, ton gros porc. C'est juste, voilà. Thank you. Oh, ça fait du bien d'avoir Bouboule comme ça. Oh, bon alors les gars, ils me sont de 16, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? Bah Kevin, on va voir la vidéo, là, c'est un... Non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Eh, j'ai encore... C'est un vrai noob.
Bah ouais, les nouveaux, regardez, la les haine nouveaux. sa mère là, ça me dégoûte de mal, pourquoi j'ai coupé ce PD là là? Hein? J'ai encore double XP. J'ai encore double XP. Ah, bouille dans ta gueule, fils de pute, enfin gros porc. Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Toi, ta mère va cramer, fils de pute. Tu vas cramer ta race, fils de pute. Niveau 76, nanana. Où est l'eau, Alexandre? Niveau à l'eau. 76, l'eau. Putain, mais regarde-moi ça, cette merde là, les armes de merde. C'est bon, ça me casse les couilles, sérieux. Mais tu enculé, les gens, toi t'es vraiment un gros bâtard, toi, ça, je m'en fous. Hop, Bobo, tu voles, non? Oh, bâtard. Eh, comment je vole, ouais? Hop, je redescends. Arrête, reste là, reste là. Bah, je redescends, wesh. Oh oui. Insertion. Bah, il y a un en haut, je crois. Dans l'air. Je sais pas. Ah, c'est le milieu alors. T'as fait un? Pourquoi ça fait ça boule là? Ouais, faut aller sans douter, bâtard, c'est Alex, c'est mieux qu'au bien. T'es plus si je crois bien. Alexandre, c'est petit, je crois bien. Vas-y, monte-toi en haut là, Bouboule. Ah, mais j'en ai marre là, monsieur, c'est quoi, je mange, j'avance. Putain, je t'es mort. Toi, attends, toi, fais-moi là, toi, tu as ta chaîne de merde, s'il te plaît. Oh oui, je vais monter sur le dôme. Oh. J'ai dit que ta mère, fils de pute. Putain. Putain! Oh putain, merci mon gars, si fort. Et bah, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. Et bah, je vous invite tout simplement à commenter, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis, ce serait sympa pour moi, ce serait sympa pour la vidéo tout simplement. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, allez, bye tout le monde.